Je suis donc RH de formation, avec un parcours plutôt développement RH, recrutement, formation. Et donc, dans le cadre de ces fonctions, je suis amenée à accompagner des collaborateurs. J'ai également fait de l'accélération de projets innovants. Et donc, j'ai décidé de certifier cette compétence d'accompagnement par une certification de coach. J'ai choisi cette formation parce qu'elle propose deux compétences, l'accompagnement individuel d'une part et l'accompagnement collectif. Donc c'est pour moi ces deux dimensions qui m'intéressaient. Cette formation Coach & Team, c'était également l'opportunité de faire financer par le CPF ma formation, par une formation certifiante RNCP. La répartition des modules proposés par la formation Coach & Team est compatible avec la continuité d'une activité professionnelle. Coach & Team recommande d'investir un lieu thérapeutique. Ça fait partie des vecteurs nécessaires de la formation et ça, pour moi, c'est un gage de qualité d'une formation certifiante de coach. La première chose que j'ai trouvée formidable dans cette formation, c'est le fait qu'on travaille avant tout notre posture de coach. On est mis en situation dès le début de la formation. On est coach de module, par exemple. Mais également, on pratique des coachings durant la formation, ce qui permet d'appliquer directement et de rendre extrêmement concret. J'ai apprécié également la philosophie Coach & Team, puisque on apprend notamment à déployer les potentiels de chaque individu et ça c'est quelque chose qui est ancré chez moi profondément. Le fait de suivre une formation avec Oxley et Valérie Taillarda, ça permet de construire un réseau de coachs dans le sud, donc près de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et Valérie incarne complètement la pédagogie CT. C'est vraiment positif d'avoir une enseignante comme elle pour apprendre cette pédagogie. Je lui dirais que cette formation, elle est extrêmement pratique. C'est une formation qui est très cohérente entre ce qu'elle enseigne et ce qu'elle fait vivre aux personnes qui la suivent. Il faut y aller, quoi, c'est super. Aujourd'hui, j'ai intégré le réseau des coachs internes de mon entreprise et je réalise des coachings individuels de collaborateurs.